Hello, hello les amis qui sont sur le blog, j'espère que vous avez la forme. Et bien dans cette vidéo, nous allons parler tout simplement de Facebook qui, encore une fois, mène la danse hein, dans le futur projet également Metaverse. On va voir comment, quelles répercussions cela pourra-t-il avoir sur le marché en général. Nous allons parler de tout cela tout de suite après. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante et surtout, bienvenue à toi si tu es débutant ou non, ayant investi ou non d'ailleurs dans les crypto-monnaies, et bien pour te permettre de trouver les meilleurs projets, de savoir quoi acheter, quand vendre et de tout sans forcément avoir peur de perdre de l'argent, de dilapider ton capital. Allez, on y va. Facebook commence à tester certaines fonctionnalités de NFT. Donc, qu'on sache tout simplement eh bien, que Facebook actuellement va réellement être un acteur prioritaire sur le marché du métaverse, puisqu'il y a de fortes chances que les NFT soient boostés en partie aussi dans les années à venir grâce à Facebook. Donc, on est sur un marché encore une fois de pionniers, sur un marché qui est tout simplement donc en démarrage. Et qui a de grands jours devant lui. Alors, on peut voir que peu de temps après qu'Instagram ait annoncé sa future prise en charge des NFT sur sa plateforme, Facebook emboîte le pas et commence d'ores et déjà à tester cette fonctionnalité aux États-Unis. Les utilisateurs pourront à terme partager leurs NFT sur les réseaux sociaux et connectant leur wallet. Alors, on peut voir donc après Instagram, Meta lance les NFT sur Facebook. Donc, on peut savoir que Facebook, tout simplement, ne rate pas le virage du, entre guillemets, nouveau monde et va devenir de plus en plus énorme en termes de valeur et surtout va prendre de plus en plus de place dans la vie des gens. Alors, on peut voir alors que Meta avait annoncé la prise en charge des tokens non fongibles sur Instagram en mai dernier. La firme semble partie pour prendre cette fonctionnalité disponible également sur Facebook. Selon un poste de Navdeep Saint, manager produit chez Meta, il sera possible pour les utilisateurs de Facebook de poster directement des NFT sur le réseau social ou encore de présenter sous forme de collection sur leur profil. Bref, Facebook va aider à démocratiser tout simplement la crypto-monnaie, les NFT, le marché des crypto-monnaies en général, et cela va vraiment nous permettre de pouvoir avoir un effet plus que positif sur les valeurs et sur le marché des crypto-monnaies. Alors Meta, hein, qui souhaite clairement répondre présent à la transition web vers le web 3.0, permettra ainsi aux utilisateurs du réseau social le plus utilisé au monde de connecter leur wallet directement sur le site. Donc je m'intéresse bien évidemment aux NFT et de plus en plus en profondeur pour comprendre et faire des choses un peu plus techniques. Et d'ailleurs, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram en description où je vais te parler prochainement de projets NFT. Alors voilà, de nombreuses nouveautés sont attendues. Tu peux le voir, en mai dernier, nous apprenions qu'Instagram prendrait en charge les blockchains Solana, Ethereum, Polygon, Flow, et pour introduire des NFT sur sa plateforme. Bref, tu l'as compris, les NFT vont devenir aussi quelque chose de très important. Donc l'investissement se fait sur moyen-long terme, la patience finira par payer, et ça sera vraiment un marché colossal. Aujourd'hui, j'en parle, on est vraiment pionnier, on est en démarrage, mais dans 10 ans, tout le monde en parlera, tout le monde parlera des NFT, tout le monde parlera du métaverse, tout le monde se mettra ou se dira formateur dans le métaverse ou dans les crypto-monnaies. Bref, plein de personnes, en tout cas, iront dans les crypto-monnaies et seules celles eh bien, qui sont là depuis le début et qui profitent vraiment du démarrage. Et les gens sérieux surtout, hein, qui s'informent même en tant que bear market, comme toi-même qui regarde cette vidéo, sortiront gagnants de ce marché et gagnants aussi pour avoir leur part du chiffre d'affaires qui va être colossal. Allez, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.